Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 7 consacrée à jQuery. Alors nous allons voir maintenant ici quoi? On va commencer par une petite interrogation surprise, ok? Alors là, rien de bien compliqué, on vous demande qu'est-ce que jQuery? Alors vous allez donner quoi comme réponse? jQuery, c'est tout simplement une librairie JavaScript. Donc je clique ici sur voir la réponse et check et bam, vous voyez ici une librairie JavaScript. Je peux à nouveau cliquer maintenant sur cacher la réponse et check et bam, je cache ici ma fameuse réponse. Pour cacher un élément en jQuery, je peux utiliser la méthode, selon vous, la méthode hide que nous avons vu maintenant à plusieurs reprises. Donc je déplie ce Mishibushi pour voir la réponse et check et bam, ici la méthode hide. Je replie et je cache ma fameuse réponse. Quelle est la différence entre jQuery 1.x et jQuery 2.x? Donc entre les versions 1.x et les versions 2.x. Comme on l'avait vu sur le site de jQuery, la seule différence c'est que les versions 2.x ne sont pas supportés par Internet Explorer 6, 7 et 8. Je clique sur voir la réponse. jQuery 2.x n'est pas supporté par Internet Explorer 6, 7 et 8. Alors c'est tout à fait normal que je trouve toutes les réponses vu que c'est moi-même qui ai concocté ma fameuse interrogation surprise. Alors les gars, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et nous allons prendre ici tout simplement une approche différente. En lieu et place de taper tout le code, je vais vous montrer d'abord ici le code HTML parce que ce sera perdre du temps de le réécrire et nous allons voir directement le code jQuery puisque c'est de ceci qu'il s'agit dans cette série de vidéos. Donc là, je viens tout simplement au niveau de mon éditeur de texte et là vous pouvez voir j'ai un document HTML5 basique et c'est marqué ici tout simplement interrogation OK pour le titre de notre page qui va s'afficher au niveau de l'onglet. On charge ici notre fameuse librairie jQuery, ok? C'est ce Mishibishi qui est présent à ce niveau. Donc, je vais essayer d'agrandir pour que vous voyez mieux ceci, ok? Et après, c'est à ce niveau-là que nous allons mettre maintenant ici notre code jQuery. Si je viens maintenant au niveau du body, vous allez le voir dans quelques instants. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons premièrement ici un H1 qui marque interro surprise. C'est ce fameux H1 que nous voyons apparaître ici, interro surprise, ok? Ensuite, j'ai ici plusieurs questions et plusieurs réponses. Donc chaque question est dans un bloc div qui a pour classe tout simplement question, ok? Et chaque réponse est dans un bloc div qui a pour classe réponse. Donc voici ici ma première question, qu'est-ce que jQuery? J'ai un fameux lien ici qui me permet pour l'instant de voir la réponse. Et tout juste après, vous voyez ici la réponse qui est dans une classe ici réponse. Donc c'est ce Mishibishi que j'ai répété tout simplement 3 fois ou 4 fois je crois, 3 fois, ok? Donc ici pour la deuxième question, pareil, j'ai ici ma question, un lien et ce Mishibishi est dans une classe question. Pour la réponse, une classe réponse, j'ai également ici une question, ma réponse et ainsi de suite. Ok, alors donc une fois que j'ai ceci, si je me rends au niveau du navigateur, je vais fermer maintenant ici ce fameux onglet. Voici ici le résultat que j'obtiens. J'ai ici mes questions, j'ai mon lien et j'ai après ma réponse. Ma question, mon lien et ma réponse. Ce que nous devons faire, c'est d'abord ici cacher l'ensemble des réponses. Donc si je vais cacher l'ensemble des réponses, vous l'aurez deviné, rien de bien compliqué. Premièrement, je vais faire ce Mishibishi lorsque le document est chargé. Donc, je mets ici document comme ceci et j'ajoute ici .ready pour dire si le document est chargé. Je mets là function, j'ouvre ici mes fameuses parenthèses et je mets ici ma fameuse fonction anonyme avec un petit point virgule à la fin. Donc, pour cacher ici toutes mes réponses, je n'ai qu'à sélectionner ici l'ensemble des éléments qui ont la classe réponse et je les cache tout simplement. Ok? Donc là, je vais venir ici, je vais mettre ce Mishibishi pour pouvoir sélectionner mon élément. Ok, donc là je mets point et je mets réponse, c'est-à-dire tous les éléments qui ont la classe réponse. Ensuite je mets ici hide, ce qui va me permettre de cacher ici l'ensemble de mes réponses. Je viens au niveau du navigateur, je tente d'actualiser, check et bam, vous voyez ici l'ensemble de mes réponses maintenant sont cachées. Ce qu'il me faut faire maintenant, c'est dire que lorsqu'on clique ici sur chaque lien, il faudra afficher la réponse correspondante tout simplement à la question qui a été tout simplement sélectionnée. Okay? Donc si je clique sur voir la réponse, je dois voir la réponse qui est en rapport ici avec cette question, pas toutes les autres réponses. Donc là, je vais remonter tout simplement. Oups. Donc pour mettre un sélecteur sur l'ensemble de mes liens, je n'ai qu'à mettre ici A, ce qui va faire référence tout simplement à ce niveau à l'ensemble des liens. Donc je dis que lorsqu'on clique sur un lien, donc j'utilise tout simplement ici l'événement clic que nous avons vu précédemment et je mets ici ma fameuse fonction anonyme à nouveau. Sans oublier un petit point virgule à ce niveau-là. Donc je dis lorsqu'on clique sur un lien, exécute ce Mishibishi qui va se trouver à ce niveau-là. Alors comme on l'a vu, qu'est-ce qu'il faudra faire premièrement les gars? Il faudra afficher la réponse qui est en rapport ici avec cette question. Donc je viens ici et comme vous pouvez le voir au niveau de notre structure HTML, après chaque bloc div qui a pour classe question, automatiquement on trouve ici la réponse. Bloc div classe question, on trouve ici la réponse. Donc ce que j'ai à faire c'est quoi? Je vais dire ici, lorsqu'on clique tout simplement sur un lien, premièrement tu vas trouver l'élément parent.
Donc ici, pour notre lien qui est présent à ce niveau, vous voyez bien que l'élément parent, c'est ce bloc div qui est présent à ce niveau. Donc lorsque je vais dire l'élément parent de notre lien, il va faire référence tout simplement à ce bloc div qui est présent à ce niveau. De même, si j'ai un autre bloc question, pour ce deuxième lien-là, lorsque je vais rechercher son élément parent, c'est tout simplement ici ce taux de bloc div qui est présent à ce niveau-là. Donc je vais dire, lorsqu'on clique sur un lien, mon gars, tu prends ici le lien qui a été sélectionné. Donc pour dire le lien qui a été sélectionné, je vous l'ai dit, je mets ici $10. $10 qui fait référence tout simplement à l'élément en cours. Donc tu vas rechercher son parent. Pour dire recherche son parent, je mets ici parent. C'est également ici une autre méthode. Donc lorsque je mets parent, il va trouver le bloc div parent qui est associé à notre fameux lien. Donc ensuite, je vais mettre ici next. Et je vais vous expliquer à quoi ce next là va servir. Donc là, lorsque je mets ici $10, il fait référence à notre lien. Ensuite, lorsque je mets ici parent, il va faire référence maintenant ici à notre fameux bloc div question qui est présent à ce niveau. Et lorsque je rajoute maintenant next, il veut dire ici le prochain bloc. Donc le prochain bloc, c'est ici tout simplement la réponse. Donc ce qui va faire que pour chaque élément, si je descends, lorsque je vais dire tout simplement $10 qui fait référence au lien, ensuite parent, il fait référence à ce Mishibushi et le next, il fait référence à la réponse. Donc c'est comme si j'aurais sélectionné ici pour chaque lien la réponse en question. Et je vais dire à ce niveau, il faut maintenant afficher la réponse. Donc, je mets ici « Show ». Donc, les gars, rien de bien compliqué. Je viens au niveau du navigateur. Je tente d'actualiser. Et vous voyez, lorsque je vais cliquer sur ce lien, qu'est-ce qui va se passer? Il va me présenter ici la réponse. Lorsque je clique sur ce lien également, il me présente la réponse. Lorsque je clique sur ce lien, il me présente la réponse. Mais ce que moi, j'aimerais faire, c'est faire en sorte que lorsqu'on clique ici sur ce Mishibushi, automatiquement, voir la réponse va devenir maintenant cacher la réponse. Ce qui va faire en sorte que lorsqu'on clique sur ce lien-là, on pourra après ici cacher la réponse. Donc, rien de bien compliqué. Si je viens au niveau de mon code, en lieu et place d'utiliser ici la méthode show qui permet d'afficher un élément, on va utiliser la méthode slide toggle qui est présente à ce niveau-là. Donc, lorsque je mets ici slide toggle, c'est-à-dire si l'élément est caché, on va afficher l'élément. Si l'élément est déjà affiché, on va cacher l'élément. Donc, il va permettre en grosso modo de faire un petit toggle. Donc, basculer en deux états possibles. Soit affiché, soit caché, soit caché, soit affiché, ainsi de suite. Donc, si je viens cette fois-ci au niveau de mon navigateur, j'actualise. Vous allez voir, lorsque je clique sur « Voir la réponse », il affiche ce Mishibushi. Lorsque je clique à nouveau, il le cache. Il affiche, il le cache. De même ici, il affiche, il le cache. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement modifier ici le contenu de notre fameux lien. Pour faire en sorte que si on clique sur ce Mishibushi, il faut maintenant mettre ici « Cacher la réponse ». Donc là, pour se faire rien de bien compliqué, je viens à ce niveau, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que si notre lien qui est sélectionné, donc je fais référence à notre lien en mettant ici $10.html pour avoir tout simplement son contenu, est égal ici à voir la réponse. Donc je mets ici voir la réponse, donc comme ceci. En grosso modo, je dis que si le contenu de notre lien est égal plutôt à voir la réponse, on va modifier pour mettre cacher la réponse. Dans le cas contraire, s'il est égal à cacher la réponse, on modifie pour mettre voir la réponse. Donc, il faut faire en sorte que ce que vous mettez ici soit la même chose qui est présente à ce niveau. Il faut que ce soit tout simplement le même texte, sinon cela ne va pas fonctionner. Ok? Donc, si je dis que le contenu est égal à voir la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ouvre mes fameuses accolades. Il faudra modifier ici ce fameux contenu-là. Donc, je mets ici $10.html comme ceci. Et pour modifier le contenu, je n'ai qu'à mettre ici la valeur. Je vais mettre ici cacher la réponse. Un petit point virgule. Donc, dans le cas contraire, donc je mets ici else. S'il n'est pas égal à voir la réponse, c'est qu'il est égal à cacher la réponse. Donc, il faut maintenant le modifier en mettant ici voir la réponse. Ok? Donc, les gars, rien de bien compliqué. Si le contenu est égal à voir la réponse, on met cacher la réponse. S'il était égal à cacher la réponse, on met ici voir la réponse. Je viens maintenant au niveau de mon navigateur. Je tente d'actualiser. Je clique sur voir la réponse. Ma réponse est affichée. Vous voyez automatiquement cacher la réponse. Je clique sur cacher la réponse, ça devient voir la réponse. De même ici, voir la réponse, cacher la réponse. Voir la réponse, cacher la réponse. Et par rapport à l'exemple que je vous ai présenté, pour être tout simplement en conformité, j'avais modifié la couleur de notre texte. Donc là, après avoir fait tout simplement le slide toggle, je peux mettre ici, je veux modifier le CSS. Et pour modifier le CSS, quelle propriété je vais modifier? C'est la propriété color. Et comme couleur, je vais mettre tout simplement la couleur verte. Donc je mets ici, comme valeur, tout simplement green. Ok? Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement chaîné mes éléments. Je peux mettre ici plusieurs méthodes. Au fur et à mesure, ça peut devenir compliqué à lire. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est quoi? On essaie tout simplement d'indenter ce Mishibushi. Donc, on obtient quelque chose comme ceci. Donc là, le code va devenir un peu plus lisible. De même, j'ai ce résultat-là. Vous voyez que là encore, c'est vraiment vilain. Mais vous allez le voir au fur et à mesure, une meilleure manière de pouvoir adapter votre code.
Donc là, je me rends au niveau du navigateur. Je tente d'actualiser. Je clique sur voir la réponse et vous voyez maintenant la couleur verte. Je clique sur cacher la réponse, voir la réponse, cacher la réponse. Voir la réponse, cacher la réponse. Donc les gars, rien de bien compliqué. On vient de voir ici un code assez intéressant pour pouvoir faire quelques petits michibushi. La méthode parent permet de trouver l'élément parent. Next permet de trouver le prochain élément. Si je voulais l'élément précédent, je mets ici prev comme previous qui me donne ici l'élément précédent. Et slide toggle permet de basculer entre deux états possibles. La méthode CSS, quant à elle, vous la connaissez déjà. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. And have a nice day. XOXO.